14 candidats, 7 binômes qui portent les couleurs de la mouvance Union pour une majorité départementale. Le MDM dit progressiste se cache sous ce parti, présidé par le sénateur Hassani Abdallah. Et son objectif est sans équivoque. Vous savez qu'on ne peut pas aller en campagne, on ne peut pas aller à des scrutins sans avoir des ambitions. Parce que tout le monde a une ambition d'être au plus haut. Donc nous, le groupe qu'on a appelé Union pour une gouvernance du département, donc c'est d'arriver à placer quelqu'un à la tête de ce département. Ça, on ne le cache pas. Ils ne s'en cachent pas et les membres du parti ont déjà désigné Issa Abdou en tant que potentiel futur président du département. Mais tous le savent, cette hypothèse ne sera possible que si les différentes forces du MDM font preuve d'unité au lendemain du scrutin. Effectivement, si on est désunis, on peut jamais diriger le pays. Il faut qu'on soit unis. Il faut que certaines personnes, ou bien nous tous, on arrête d'avoir des égaux et qu'on se mette à travailler ensemble. Nous, le MDM, on représente une grande majorité dans cette île. Mais comme on est divisé. Donc, on se bat pour rien. Afin de mettre toutes les chances de son côté, l'Union pour une majorité départementale a investi des candidats de différents bords politiques. La stratégie sera-t-elle payante ? Nous aurons la réponse dans les urnes dans un peu plus d'un mois.